what's going down. Worst come the worst, my peoples come first. When worst come the worst, when worst come the worst, my peoples come first. Worst come the worst. Alors moi j'ai commencé dans le basket grâce à la Dream Team en 92, ma seule et unique. Donc après avoir vu les matchs de Jordan, Pippen, Barkley et compagnie, ça m'a tout de suite donné envie de me mettre au basket. Et c'est ce que j'ai fait à la rentrée qui suit. He finds Mullen, touch pass to Magic for three. Man, the best finisher in the league, Michael Jordan. Le joueur de basket qui m'a fait rêver, c'est Michael Jordan. Depuis le début, j'ai suivi, à partir du moment où j'ai commencé le basket, j'ai suivi toute sa carrière. J'ai eu toutes ses vidéos, mon père m'avait acheté ses vidéos et je me suis nourri de ses images et c'est vraiment pour moi le meilleur joueur de tous les temps. Mon move préféré, c'est mettre les trois points sur la tête du défenseur. Quand le gars est collé à moi, j'essaie de faire un petit truc de décalage et marquer sur sa tête. Je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur. Quand je rentre sur le terrain, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans ma tête. Quand il y a le public qui pousse, il y a pas mal d'adrénaline dans l'air. Un gros match qui t'attend, il y a beaucoup d'excitation. Tu es super concentré, tu sais ce que tu as à faire et tu as hâte que la balle, le coup d'envoi soit donné pour en découdre avec l'adversaire. Un super héros, je vais dire Sangoku. Un mec gentil qui essaie de faire le bien autour de lui, mais il faut pas trop énerver parce qu'il peut faire mal si on commence un peu à le titiller. Quoi. En ce moment, un petit son que j'aime bien, c'est 50 Cent et Jeremiah. Un son qu'on kiffe bien avec Sarah et ma petite sœur. C'est un peu mon délire dessus. I like the way you grind with that booty on me. Sorry you were down while you looking lonely. Go buy another round and it's all on me. As long as I'm around, put it down on me. Just put it down on me. Mon secret pour être au top, je dirais qu'il n'y en a pas vraiment un. Le tout, c'est, moi personnellement, ça serait d'être sérieux sur le terrain, essayer de donner le maximum. La semaine pendant l'entraînement, rester un peu après pour travailler un peu le tir, le dribble. Et le jour du match, être concentré, rentrer dans une routine, avoir des repères. Et c'est ce que j'essaie de faire chaque jour de match. Une fois que je suis rentré bien dans cette routine, je peux quand même concentrer sur le jeu. J'ai la balle de match entre les mains pour la gagne. Je vais partir en dribble main gauche, je pense. Enfin, essayer de faire un petit step back, essayer de mettre le défenseur à distance et prendre le tir à deux points.
points marqués, coupé, match gagné.